Oui, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui pour le deuxième cours d'introduction de soins palliatifs. Et je sais que c'était un peu difficile avec le IECO. Donc, bravo et félicitations. Parce que je sais que ce n'est pas facile avec moi aussi. Je ne peux pas toujours faire des choses techniques. Et je sais qu'il y a les défis là avec le réseau des fois. Donc, bienvenue à tous. Et aujourd'hui, on a fait un petit... on a parlé un petit peu comme nous avons commencé chaque fois. Parce que c'est vraiment un cours de participation. Donc, chaque... qui est là, à la droite de l'autre. Mais bien sûr, nous avons toujours les spécialistes qui vont nous enseigner les sujets. Et comme on a fait la dernière fois, chaque cours est enregistré. Donc, si il y a des gens qui n'étaient pas capables aujourd'hui, vous pouvez toujours leur dire qu'ils peuvent, écouter l'enregistrement. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, parmi nous qui n'a pas encore se présenté. Moi, bon, j'ai regardé les gens qui n'étaient pas là la dernière fois. Donc, si vous êtes là pour la première fois et vous n'avez pas vous présenté, est-ce que vous pouvez nous dire bonjour, bonsoir? Je ne sais pas. Non. Donc, tu l'as... Oui, Dr. Sophie. Ah, Donata. Oui. Et vous êtes où? Sénégal, à Thiès. À Thiès, OK. Et oui. Tu travailles comme infirmière? Le son n'est pas bon. Entendre pas. Bien. Oh, dommage. OK. Bienvenue, Donata. Et si vous pouvez aussi vous présenter dans le chat, et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat aussi. Et je pense que à part de ça, nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons à la présentation de l'évaluation et prise en charge de la douleur. Et ça sera avec Dr. Sophie Koulibaly, qui sera suivie par une petite discussion sur ce qu'on apprend. Et après ça, nous aurons une étude de cas avec Dr. Aminata Cissé. Et moi, je vais le faire. Je vais... ajouter des petites choses avec elle. Donc, nous allons commencer maintenant. Dr. Sophie, si vous êtes là et vous pouvez commencer. Je pense que... Oui. Bonsoir à tous. Je suis bien là. Donc, moi, je me présente... pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis le docteur Aminata Sophie Koulibaly. Je suis médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital de Pikin et je suis aussi la présidente de l'Association sénégalaise de soins palliatifs. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler dans ce cours qui sera vraiment un cours interactif, comme l'a dit Esther tout à l'heure. Donc, il faut vraiment que les gens participent, en fait. On n'est pas là pour... amener la théorie seulement, mais il faut vraiment que ce soit un cours participatif. Donc, je vais vous entretenir aujourd'hui de l'évaluation de la douleur et de la prise en charge en cas d'accès limité aux médicaments. C'est-à-dire dans les contextes de nos pays qui sont à ressources limitées. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. If she can do alors, it in the full screen. Je vais réduire.
j'ai un souci avec l'ordinateur dès que je le mets en mode diaporama. Donc, je perds le partage, donc j'agrandis comme ça. Est-ce que vous, tout le monde voit bien? Oui, je pense que ça va comme ça. D'accord. Donc, la douleur en soins palliatifs est un des principaux symptômes, en fait, qu'il faut savoir gérer. C'est en général le signe le plus alarmant, le plus défavorable pour... si elle n'est pas prise en charge correctement pour une qualité de prise en charge en soins palliatifs. Donc, vraiment, c'est le premier symptôme auquel il faut penser pour pouvoir aider le patient qui est en soins palliatifs. Donc, l'objectif de ce cours donc, sera d'abord d'expliquer les principes de base de l'évaluation de la douleur, évaluer correctement la douleur à l'aide d'outils appropriés, savoir expliquer les principes de base de la gestion de la douleur, savoir gérer efficacement la douleur en utilisant des méthodes médicamenteuses ou non médicamenteuses, savoir soutenir surtout l'utilisation des morphinomimétiques et vraiment surtout amener les praticiens à mieux connaître les analgésiques, surtout les analgésiques opioïdes. Pourquoi il est important de gérer la douleur? Parce que tout simplement, les conséquences de la douleur dans la vie du patient chronique, surtout du patient qui est en soins palliatifs, sont énormes. Cette douleur, si elle n'est pas bien gérée, peut entraîner une anxiété permanente qui peut aller jusqu'à la dépression. Ça peut entraîner une souffrance accrue et surtout, cela diminue la qualité de vie. Et comme vous le savez tous, donc, les principes en soins palliatifs, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie de nos patients. Pour gérer cette douleur, il faut passer d'abord par cette étape très importante qui est l'évaluation, qui doit tenir compte de l'histoire du patient, mais aussi de l'examen qu'on fera de ce patient, mais aussi de des antécédents, donc vraiment de l'enquête qu'on va mener par rapport à cette douleur-là. Pour ce faire, il faudra répondre à cette question très simple, c'est-à-dire il faudra rechercher le siège et éventuellement l'irradiation de la douleur, parce que en fonction du siège, il y a des choses qui seront appelés. La date de survenue aussi de cette douleur, elle est importante. Il faudra la préciser. Les facteurs qui déclenchent la douleur, les facteurs qui l'aggravent, les quatre facteurs qui peuvent l'améliorer sont aussi importants à rechercher parce que ça permet d'avoir une meilleure prise en charge. Le type aussi de la douleur, parce qu'en fonction du type de douleur, on pourra utiliser tel médicament ou tel médicament parce que ça va nous ramener à une physiopathologie qui nous permet quand même de mieux prendre en charge cette douleur-là. Mais il faut savoir que par rapport au type de la douleur, le vocabulaire des patients est très riche. Donc, parfois, il est métaphorique. Donc, vraiment, il faut faire très attention sur l'interprétation de cette douleur que les patients vont nous décrire. Le cinquième élément sur lequel il faut vraiment s'appesantir, c'est par rapport à l'intensité de la douleur. Donc, l'évaluation de la douleur, c'est surtout, donc, cette intensité qu'il faut vraiment faire préciser au patient. Elle peut être évaluée directement par la description du patient par elle-même. Le patient lui-même peut décrire l'intensité, définir l'intensité de sa douleur à travers une cotation, mais surtout on peut utiliser des échelles ou des échelles directes ou des échelles comportementaux. Le sixième élément pour l'évaluation de la douleur, c'est quel est le retentissement de cette douleur sur la vie quotidienne du patient. Si cette douleur l'empêche vraiment de vivre normalement au quotidien, donc il est urgent de la prendre en charge. Septième question, quels sont les traitements déjà que le patient a essayé? Parce que nous le savons tous, les patients, quand ils sont douloureux, ils prennent des médicaments d'abord, ils essaient des traitements. C'est quand ça ne marche pas, en fait, qu'ils viennent vers nous. Donc, il est très important
de savoir quels sont les médicaments, les traitements qui ont déjà été essayés par le patient. L'évaluation de l'intensité de la douleur peut se faire, elle est importante. C'est celle-là, cette évaluation en fait qui va nous guider dans notre démarche thérapeutique. Elle est importante, elle peut se faire à l'aide d'échelle de douleur. Nous avons l'échelle numérique, échelle très simple. Côté de 0 à 10. 0, pas de douleur. 10, c'est la douleur la pire possible que le patient vous décrira. Vous pouvez lui demander entre 0 et 10, quel est le chiffre qu'il va donner à sa douleur. S'il vous dit 5, cela veut dire que c'est une douleur modérée. S'il vous dit 9, donc vous êtes proche de vraiment la douleur, la pire douleur qu'il puisse vous décrire. Si maintenant vous êtes à 0, cela veut dire qu'il n'a pas mal du tout. À côté de cette échelle numérique, nous avons l'échelle des visages qui peuvent montrer une expression. Le visage va vous montrer, que vous regardez, va vous montrer une expression qui va vous permettre de savoir, parce qu'un visage qui est calme, qui n'est pas expressif du tout, donc le patient est calme, il est même souriant en ce moment-là, cela veut dire qu'il n'a pas mal. C'est contrairement à un patient qui a très, très mal, qui a des grimaces, qui ferme les yeux, qui se mord les gencives, les dents. Donc, vous voyez un peu. Donc, l'évolution de 0 à 10 va vous permettre une cotation de 10 correspondant vraiment au patient qui a très, très mal. Le 0, c'est le patient qui est, je peux le dire, heureux. Entre parenthèses, donc qui n'a pas mal du tout, donc il n'a pas de douleur. Donc c'est très important de pouvoir évaluer cette douleur-là par rapport au faciès du patient. Une échelle qui est super simple, c'est l'échelle verbale simple. J'ai une petite douleur, j'ai une douleur moyenne, j'ai une douleur qui est forte. Vous demandez au patient sa douleur, comment il apprécie sa douleur, il vous dit, ah, c'est une petite douleur. Non, la douleur, elle est à peu près moyenne. Donc, non, j'ai une forte douleur, donc vraiment, la douleur est indescriptible. Donc, ça, c'est un moyen simple et très efficace pour évaluer la douleur du patient. Nous pouvons aussi utiliser une échelle, pas courante, mais bon, ça permet avec plusieurs items, le visage, les jambes, les activités, les pleurs, la consolabilité ou non, cette échelle FLAX peut nous permettre d'évaluer, parce qu'en fait, la douleur peut entraîner des troubles du comportement. Donc, cette échelle-là peut nous permettre, par exemple, si je prends le visage, si c'est zéro, il n'y a pas d'expression particulière, ou bien même il y a un sourire. Donc, c'est côté zéro. Si on a une grimace ou un froncement de sourcils occasionnel, parfois, le patient a l'air d'être triste ou semble inquiet. Donc, c'est côté 1. Lorsque vraiment son menton est frémissant et que vraiment son visage est affligé, la mâchoire est serrée, donc on a l'impression qu'il est en panique, là, c'est côté 2. Donc, cette cotation par rapport à tous ces items, si je prends l'exemple de l'item activité, si le patient est allongé tranquillement avec une position normale, il se déplace facilement, il a une respiration rythmique régulière, vous allez côté 0. Si il est en train de se tortiller, de ne pas rester en place, d'avoir des mouvements tendus, une respiration superficielle et que de temps en temps, il émet des soupirs intermittents, donc là, c'est côté 1. Si vraiment le patient a une agitation, il est rigide, donc il est en train de frissonner ou il retient son souffle, il alerte, là c'est côté 2. Donc en fonction des différentes cotations, vous pouvez
à la fin, si vous avez une cotation par rapport aussi à la consolabilité, donc zéro, c'est il est détendu, c'est un patient qui est détendu. Un, la cotation un pour la consolabilité, cela veut dire qu'il est rassuré par des attouchements ou des paroles. Donc ça, c'est il repousse même celui qui veut l'aider. Donc ça, c'est côté 2. Vous voyez un peu, donc par rapport à tous ces items-là, on peut savoir apprécier quelle est l'intensité de la douleur de notre patient. Et ça nous permet d'avoir une meilleure prise en charge. Pour les patients qui sont en soins palliatifs, l'OMS a établi, maintenant nous savons que c'est pas, le soin palliatif, ce n'est pas seulement... Un soin palliatif concerne presque tous les patients. Ce n'est pas seulement le cancer, mais les autres patients donc, qui sont en soins palliatifs, comme ceux qui ont le VIH, des maladies neurologiques dégénératives, tout ça là. Donc, il faut en tenir compte. Ne vous dites pas que cette douleur en soins palliatifs n'existe que chez les patients cancéreux. Non, vraiment, les soins palliatifs, c'est beaucoup plus vaste. Et la douleur aussi, donc par rapport aux pathologies sous-jacentes, il faut en tenir compte. Parce que une maladie neurologique dégénérative donc, va faire appel à d'autres moyens que pour un patient simplement avec une douleur cancéreuse. Nous y reviendrons. Quels sont les moyens pour prendre en charge la douleur? La prise en charge de la douleur donc, répond à des principes, donc il faut le faire à l'heure, il faut vraiment savoir utiliser les échelles. Et l'OMS a eu à mettre en place donc, l'échelle analgésique qui comporte 3 paliers. Le palier 1 qui était corrélé à une douleur légère va utiliser les médicaments non opioïdes, analgésiques non opioïdes. Les douleurs modérées à faibles vont utiliser les opioïdes faibles et les douleurs sévères vont utiliser des opioïdes puissants, mais aussi des non opioïdes. Nous le verrons plus tard. Pour le palier 1 de l'OMS, les médicaments qui sont utilisés, donc c'est le paracétamol, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Pour le paracétamol, il soulage efficacement les douleurs légères et son avantage, c'est qu'il peut être utilisé chez les nouveau-nés et les bébés et ses effets secondaires en général sont minimes. Pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, nous avons principalement l'ibuprofène, mais les autres anti-inflammatoires aussi peuvent être utilisés. Donc, dans nos contrées, nous avons, en plus de l'ibuprofène, une autre gamme d'anti-inflammatoires qui peuvent être utilisés. Mais faites attention, ces anti-inflammatoires peuvent être utilisés que chez l'enfant de plus de 3 mois. Ces anti-inflammatoires vont permettre vraiment de soulager les douleurs musculo-squelettiques, les douleurs cancéreuses. Mais il faut faire très, très attention en cas de thrombopénie. Parce que les anti-inflammatoires ont cet effet secondaire-là, vraiment, cet effet secondaire qu'il faut vraiment, auquel il faut faire très attention. Il faut aussi éviter de les utiliser en cas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique sévère. Le palier 2 de l'OMS, c'est le tramadol, la codéine, donc vraiment c'est... Mais le chef de file actuel, c'est le tramadol, qui peut être utilisé par voie orale à raison de 50 à 100 mg toutes les 4 à 6 heures, mais il est préférable quand même de commencer par 50 mg. Et
y aller progressivement en augmentant les doses. Mais surtout, ne pas dépasser la dose journalière de 400 mg. Les précautions à prendre vraiment, il faut faire attention chez les patients qui prennent des neuroleptiques. Et il faut savoir que le tramadol peut faire baisser le seuil des crises d'épilepsie, mais aussi il faut penser aux patients porteurs d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique importante. Le troisième palier de l'OMS, c'est vraiment l'utilisation des opioïdes. Il faut savoir que les opioïdes sont absolument nécessaires pour les patients en soins palliatifs. Et que ces médicaments opioïdes figurent vraiment dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS, mais aussi de l'Association internationale de soins palliatifs depuis 2006. Ces opioïdes qui sont utilisés depuis l'Antiquité comprennent donc des opiacés naturels et des alcaloïdes semi-synthétiques. Ils sont dérivés du pavot de l'opium. Ils sont classés en opioïdes faibles ou en opioïdes forts. Les opioïdes faibles, c'est la codéine, la hydrocodéine et le tramadol. Les opioïdes forts, c'est la morphine, la méthadone, l'oxycodone, le fentanyl. Je me présente un peu sur cette diapositive pour faire le point par rapport à la situation des opioïdes au Sénégal. Au Sénégal, le tramadol vraiment est largement utilisé. Vraiment, il est disponible. Donc vraiment, moi, je peux même dire qu'on l'utilise de manière exagérée. Parce que pour toute douleur, les médecins en général prescrivent le tramadol et ils oublient que le tramadol est un opioïde faible. Donc, il faut faire très attention. Ce tramadol, même si on peut l'associer au paracétamol et aux anti-inflammatoires non stéroïdien, il faut vraiment faire très attention parce que quand même, surtout par rapport au surdosage éventuel. La morphine, au Sénégal, nous avons des comprimés de morphine, des gélules de morphine qui sont disponibles dans les officines. La morphine injectable est disponible au niveau des structures hospitalières, donc dans toutes les structures hospitalières. Donc, on a la morphine injectable parce que c'est la PNA qui nous fournit les morphiniques. Donc, c'est à disposition. Le sirop de morphine, il y a quelques structures qui en disposent. Donc, ce n'est pas vulgarisé dans toutes les structures. Donc, vous voyez un peu quel est le retentissement par rapport à l'accessibilité pour les patients qui sont en soins palliatifs. Alors, la morphine, nous avons la forme à libération immédiate et nous avons aussi la forme à libération prolongée. Pour la forme à libération immédiate, chez l'adulte, les doses peuvent varier de 5 à 10 mg toutes les 4 heures. Et on pourra doubler les doses du soir pour avoir une meilleure efficacité afin que le patient n'ait pas à se réveiller dans la nuit du fait d'une douleur. Chez l'enfant, la dose initiale est de 0,3 mg kilo toutes les 4 heures. Il faut savoir que si la douleur est toujours mal contrôlée, on peut augmenter sa dose de 25 à 50%. Il ne faut pas. L'idée qui doit nous guider, c'est le soulagement du patient. La deuxième idée qui doit, le surdosage, il faut faire très attention. Mais si on a des molécules par voie orale, en général, on a vraiment pas de surdosage. Donc, n'ayez pas peur de prescrire la morphine et de l'utiliser. Parce que sa pharmacocinétique, surtout la morphine, son absorption orale est
parfaite, avec un délai de 30 à 45 minutes. Elle est largement distribuée dans les tissus de l'organisme, elle traverse la barrière placentaire, elle est métabolisée avec une élimination rénale. La solution orale a une durée d'action de 4 heures, donc une demi-vie de 2 à 4 heures. Et les comprimés à libération prolongée ont une durée d'action de 8 à 12 heures avec une demi-vie de 4 à 6 heures. Ils agissent au niveau des récepteurs opioïdes, donc concentrés dans le cerveau, donc neurones afférents primaires et neurones de transmission de la douleur au niveau de la moelle épinière. Je vous renvoie à votre anatomie. Les neurones du mésencéphale et de la moelle épinière constituant la voie descendante. Les opioïdes vont inhiber l'activité synaptique par activation des récepteurs opioïdes en stimulant la libération d'opioïdes endogènes qui procurent ainsi l'effet analgésique. Les effets secondaires courants des morphiniques. En tête de liste, nous avons la constipation. Donc, il ne faut pas hésiter à prescrire un laxatif lors de la prescription d'opioïdes. Donc, le laxatif doit figurer sur la même ordonnance que l'opioïde, en expliquant au patient que si il a constaté une constipation, il devra le prendre. Donc, l'exemple, c'est le séné, un à deux comprimés au coucher. Les nausées et les vomissements aussi sont des effets secondaires des morphiniques. Généralement, c'est des effets secondaires temporaires qui vont s'arrêter, qui peuvent s'arrêter d'eux-mêmes. Donc, il faut associer à l'initiation, à l'augmentation. Ils sont associés à l'initiation ou à l'augmentation de la dose. En général, c'est quand vous débutez le traitement morphinique que les nausées et les vomissements surviennent. Mais quand le patient est déjà sous morphinique pendant des jours, des semaines, en général, il ne ressent plus ces effets secondaires de nausées et de vomissements. Et quand ils surviennent, ces nausées et vomissements, donc, il faut savoir les prendre en charge avec la métoclopramide ou la loperidol. La somnolence ou la fatigue, c'est aussi un effet secondaire des morphiniques. Et bon, généralement aussi, c'est des fatigues ou des somnolences légères et très souvent, c'est temporaire. La tolérance et la dépendance aux morphiniques sont en fait la grande hantise des prestataires. Il faut savoir que la tolérance, c'est biologique. C'est lorsque l'organisme s'habitue à une certaine dose du médicament et qu'une dose plus importante est nécessaire pour obtenir le même effet. Ce phénomène se produit en général en cas d'utilisation prolongée des opioïdes. L'accoutumance ou la dépendance, c'est un phénomène psychologique, c'est-à-dire c'est un fort désir de prendre un médicament pour ses propriétés psychoactives plutôt que pour ses propriétés analgésiques. Mais je vous rassure que quand vous utilisez la morphine orale, vous ne pouvez pas avoir de dépendance ni d'accoutumance. Les surdosages et les toxicités des opioïdes peuvent survenir. Donc, si la dose d'opioïdes est trop importante, on parle de surdosage, ça peut entraîner une détresse respiratoire. Et en général, ça ne se produit qu'avec des doses très, très élevées et inappropriées de morphinique. La toxicité aux opioïdes est due en général à l'accumulation de métabolites toxiques de l'opioïde. Et c'est pourquoi, en fait, si les morphiniques ne sont pas éliminés correctement, c'est pourquoi il faut faire très attention en cas d'insuffisance rénale ou hépatique par rapport au dosage des morphiniques que vous utilisez. Les dosages pour la morphine orale. Pour le sirop ou les gélules ou comprimés à libération immédiate, la dose chez l'adulte, c'est de 5 à 10 mg toutes les 4 heures. Chez l'enfant, 0,2 à 0,3 mg kilo dose toutes les 4 heures. Pour les morphiniques à libération prolongée, pour les patients qui prennent une dose stable, à libération immédiate, il faut passer à 12 doses quotidiennes
égal. Le cas particulier de l'utilisation des morphéniques, il faut faire très attention quand vous utilisez des morphéniques chez les personnes âgées. Et je n'ai pas dit qu'il ne faut pas les utiliser chez les personnes âgées. En cas d'insuffisance rénale aussi, en cas d'insuffisance hépatique, pour la grossesse et l'allaitement, les morphéniques traversent la barrière placentaire. Donc, il faut faire très attention. Quand vous les associez au sédatif, ça peut potentialiser les effets secondaires. Donc, il faut faire très attention dans ces cas-là où vous devez utiliser les morphéniques. Prescrivez les morphéniques pour soulager vos patients. Pour le faire, je pense que le challenge d'abord, c'est de vraiment effacer les fausses croyances. C'est ça qui fait qui constitue une barrière pour la prescription des morphéniques chez les prestataires. Ce mythe-là qui dit ne pas administrer de morphéniques pendant les derniers jours de vie. Ce n'est pas vrai. Il faut soulager votre patient. Il faut donner de la morphine en cas de douleur sévère dès que cette douleur apparaît. Et la dose peut toujours être augmentée. Il faut avoir en mémoire que je dois toujours soulager mon patient. L'autre mythe, c'est que la morphine, les gens pensent que la morphine accélère la mort, pas du tout. Les soins palliatifs doivent prolonger la vie. La morphine va nous assurer une bonne qualité de vie en soulageant la souffrance de nos patients. Un autre mythe qui n'est pas le moindre, c'est la morphine entraîne une dépendance. Les morphinomimétiques entraînent une dépendance. On en a parlé tantôt. Les patients qui souffrent ne vont jamais devenir dépendants de la morphine. Il faut leur donner leur dose de morphine pour améliorer leur qualité de vie. À côté des moyens médicamenteux, en soins palliatifs, on peut utiliser des moyens non médicaux, des moyens non médicamenteux pour soulager nos patients. Ces moyens non médicamenteux doivent être adaptés à la culture et aux coutumes locales. Ça peut être un soutien affectif. Ça peut être une technique de toucher, massage, bercement par le personnel ou par les proches. Ça peut être une distraction. Radio, musique, visualisation. Ça peut être aussi des prières, une méditation. En fonction de la pratique du patient, ça peut juste être une écoute avec empathie pour comprendre les réactions du malade à sa maladie. Ces moyens non médicamenteux qui ne coûtent pas cher, qui coûtent peut-être juste du temps que nous devons prendre pour nos patients, peuvent les soulager très, très grandement. Mais il faut savoir aussi que ces techniques ne doivent pas substituer aux médicaments analgésiques, mais il faut les associer à ces médicaments analgésiques. Moyens médicamenteux et moyens non médicamenteux pour soulager les patients au maximum. En résumé, donc, nous dirons que ce cours vous a quand même, j'espère qu'il vous a permis de pouvoir comprendre les principes de base de l'évaluation de la douleur, de comprendre les principes de la gestion de la douleur, permettre comment évaluer correctement une douleur à l'aide d'outils appropriés et surtout soutenir l'association des opioïdes dans la gestion de la douleur, mieux connaître les analgésiques, y compris les analgésiques opioïdes, et surtout vous permettre de mieux gérer efficacement la douleur en utilisant des moyens médicamenteux ou non médicamenteux. Je vous remercie de votre aimable attention. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions?
Vous pouvez lever la main ou vous pouvez activer votre micro. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Docteur Sophie, vous avez dit que la morphine est disponible dans les officines au Sénégal. Est-ce que c'est partout ou c'est seulement dans les grandes pharmacies? Hélène, la morphine, la morphine injectable, la morphine injectable, elle est disponible dans les officines parce que c'est la PENA qui les distribue. Mais pour les comprimés, c'est disponible dans les officines privées. Et pour la prescription, est-ce qu'il y a des règles supplémentaires par rapport aux autres médicaments? Oui, oui, il y a la règle des prescriptions à 3 souches. Donc, c'est ça la réglementation. Donc, nous suivons la réglementation internationale pour la prescription des morphiniques. Merci. Merci à vous, docteur. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Lorsque vous parlez de l'échelle comportementale, dans le cas où, par exemple, disons, lors d'une lèpre aggravée qui endommage les nerfs périphériques, la personne ne ressent plus la douleur, comment fait-on pour savoir quel est son degré de douleur? Est-ce qu'on regarde, est-ce qu'on demande ou... Plutôt, il y a un autre type de moyen dans ce genre de cas-là. Merci. Vous parlez du cas du lèpreux qui a une amputation. Exactement. Oui. Lorsque, par exemple, il se trouve dans ce genre de cas. Oui, là, on a ce qu'on appelle la douleur du membre fantôme. Donc, le patient, vraiment, il est douloureux. Donc, c'est vraiment en ce moment que ce ne sont plus les analgésiques de l'OMS, mais vous savez, il y a la nouvelle classification des analgésiques de l'Association internationale d'études pour la douleur qui intègre les neuroleptiques, les antiépileptiques, donc la kétamine et tout. Donc, on a dépassé le stade... de cette douleur par excès de nociception. C'est une douleur neurologique, donc qui fait appel à d'autres médicaments. Je n'ai pas voulu m'appesantir sur ça. C'était juste pour susciter la discussion. Mais il y a d'autres analgésiques donc, qu'on peut utiliser pour ça. Par rapport à l'évaluation maintenant de ce patient douloureux, vous savez, c'est quelqu'un qui a perdu son membre. Il y a ce membre fantôme. Le membre n'est plus là, mais quand même, il y a cette douleur du membre fantôme. Il a toujours l'impression que la douleur est là parce qu'il y a encore des charges électriques au niveau du moignon qui reste. Donc, c'est par rapport à c'est l'échelle comportementale qu'on peut savoir quel est le degré de sa douleur. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une autre question ou commentaire? Il y a le docteur Miller qui lève la main. Merci. Merci, docteur Sophie. C'est très clair, très, très compréhensif. J'ai une question concernant l'évaluation. L'évaluation, tu as décrit, c'est très compréhensif et utile. Mais dans mon expérience, c'est difficile de continuer à enregistrer ce système en pratique jour à jour. Comment on peut encourager dans notre hôpital, dans notre clinique post-santé, le système comme vous avez décrit? Est-ce qu'il y a une...
pro forma, une forme, un fiche, on peut utiliser pour un système comme ça. Qu'est-ce que vous pensez, s'il vous plaît? Alors, l'échelle comportementale, elle est parfaite, si on peut l'utiliser. Mais nous savons que dans notre pratique courante, ça prend du temps. Et des fois, quand le patient vraiment est très douloureux, il ne coopère pas. Donc, il faut aller rapidement pour le soulagement de sa douleur. Donc, moi, dans mon expérience, je prescris vraiment l'échelle numérique simple. Et si le prestataire est très expérimenté, en fonction du comportement, il peut savoir. Mais s'il faut aller remplir item par item, donc vraiment, ça prend du temps et moi, je pense que ce n'est pas efficace. Bon. Tu as l'échelle verbale simple si le patient peut, sinon l'échelle numérique simple éventuellement, mais en fonction de l'expérience, on sent, parce qu'un patient qu'on trouve dans son lit qui est prostré, qui ne veut plus te parler à son médecin soignant, il faut comprendre que la douleur est extrême. On ne va pas être là-bas à dire le visage, la face, la jambe. Non, on soulage d'abord. Et après, mais s'il faut revenir, quand il sera soulagé, après revenir en ce moment et peut-être remplir la fiche comportementale. Mais il faut vraiment être pragmatique pour le soulagement de la douleur. Merci, merci beaucoup. Jenna Batiote. Oui, bonsoir, madame. Allô? Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous apprend. D'accord. Moi, ma préoccupation est de savoir en cas de surdosage, comment faire pour aider une personne? Alors, en cas de surdosage, le principal signe d'alerte qui va, c'est la détresse respiratoire. Vous allez avoir des signes de détresse respiratoire. En ce moment, il faudra aller dans le sens d'oxygène à votre patient. Des fois, ça peut aller jusqu'à l'arrêt respiratoire. J'espère que vous n'irez pas. Mais quand même, il faut oxygéner votre patient. Et si vous avez un antagoniste, la prostigmine, un antagoniste morphinique, il faut l'injecter à votre patient. Mais il faut vraiment, vous ne pouvez pas. Si vous avez un surdosage en morphinique, donc cela veut dire que les signes, c'est d'être la détresse respiratoire. Donc la désaturation, l'augmentation de la fréquence respiratoire qui peuvent aller jusqu'à l'apnée. Mm-hmm. Donc, il faut oxygéner votre patient et ensuite chercher un antagoniste morphinique comme la prostigmine et lui injecter ça. Merci beaucoup, madame. Aminata Sissé. Bonjour, docteur Sophie. Bonjour, Aminata. Merci beaucoup. Comme on dit, quelque chose qui se maîtrise, s'explique facilement. Et on est très contente de vous écouter. Là, ma question est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire si on ne dispose pas de morphine. Surtout la morphine à libération immédiate. Peut-être qu'on a, par exemple, dans certaines structures, comme les nôtres, on a plus la morphine à libération prolongée. Maintenant, dans l'urgence, qu'est-ce qu'on peut faire? Et que pensez-vous de l'utilisation parfois du paracétamol injectable associé au tramadol ou bien associé au nefopam? Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup.
beaucoup. Alors, Aminata, pour ta question, j'ai une précision. Tu veux dire association paracétamol, tramadol? Oui, je vois ça, injectable en fait. Oui, et association paracétamol, nefopam? Oui, acoupant, en injectable toujours. Qu'est-ce que vous pensez de ces associations en perf? Alors, je vais commencer d'abord par te dire, l'association paracétamol nefopam ne se fait pas. Oui. Ça ne se fait pas. Le paracétamol ne se mélange pas. Le paracétamol et le... Je veux comprendre. Tu veux dire que les gens, ils mettent dans le même ballon? J'en vois et j'en entends aussi. Parfois, vous entendez les autres vous dire, par exemple, face à certaines douleurs, pourquoi pas utiliser du paracétamol associé à de l'acoupant ou bien associé à du tramadol injectable? Ce n'est pas dans les tests. Non, le paracétamol, dans la prise en charge de la douleur en général, il y a ce principe qu'il faut utiliser. C'est le principe de l'analgésie multimodale et balancée. Multimodale, c'est-à-dire on utilise plusieurs molécules qui agissent à des niveaux différents. Vous associez le nefopam et le paracétamol, ils agissent tous en périphérie, ils agissent au même endroit, ça ne se mélange pas. On ne peut pas associer nefopam et paracétamol. Par contre, on peut associer, on peut associer tramadol et paracétamol, mais de manière balancée. On ne les met pas en même temps. On ne les met pas dans le même ballon. Ça aussi, c'est à proscrire. Oui. Voilà. Bon. J'espère que tu vas entendre. Voilà. Nefopam et paracétamol ne se mélangent pas, ne se donnent pas chez le même patient. Ou on choisit le nefopam ou on choisit le paracétamol. Oui. Parce que les gens ont tendance à oublier, ils disent que c'est un analgésique, alors que vraiment, quand tu maîtrises ta physiopathologie, tu te rends compte que nefopam et paracétamol agissent au même endroit. Au même récepteur. Exactement. Donc, c'est pas la peine de les mélanger. Mm-hmm. Ou on choisit l'un ou on choisit l'autre. Maintenant, par rapport à ta première question qui concernait l'utilisation des morphiniques. Oui, si on n'a pas la morphine à libération immédiate, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Ça, c'est un... Si tu as du sirop de morphine, tu l'utilises. Tu n'as pas de sirop de morphine. Alors, moi, l'astuce que j'ai pris à l'hôpital, je n'ai pas de sirop de morphine, mais j'ai de la morphine injectable, que je prends, que je mets dans un morceau de sucre, que je donne au patient et ça le soulage. Ça fait comme sirop de morphine. D'accord. Les ampoules de morphine sont disponibles à la PNA. Oui, les ampoules sont disponibles, Voilà, les ampoules de morphine sont disponibles à la PNA et ça ne coûte absolument rien. Donc, vraiment, je pense que là où il y a un déficit de sirop de morphine, c'est une astuce qu'on utilise et ça soulage les patients. Oui. Il faut juste convaincre le pharmacien que, on a besoin de ça et puis, qu'il le commande pour soulager les patients. D'accord. Merci beaucoup. C'est bon, merci beaucoup. Merci. Ok, merci Aminata. Est-ce qu'on a une autre question ou... C'était très intéressant. Merci beaucoup, Dr. Sophie. J'ai appris beaucoup de choses. Au Canada, on n'a pas la tramadol, mais on utilise beaucoup de morphine. Et on n'a pas de problème avec accès. Mais moi, je peux dire qu'une chose que j'ai appris, c'est que la morphine n'est pas pour toutes les douleurs. Donc, c'est l'évaluation de la douleur est très, très, très importante. Et j'aime beaucoup que vous avez ajouté les choses non médicales parce que des fois, c'est la peur qui augmente la douleur. C'est les pensées. Et si on s'assoit avec les gens et vraiment prend le temps de les écouter pour voir
Exactement. Mais souvent, c'est facile si on est un peu pressé chez nous. Il a une douleur et on court pour la morphine. Au lieu de prendre le temps de vraiment faire une évaluation, est-ce que c'est une douleur qui vraiment nécessite, je ne sais pas comment dire ça, la morphine. Donc, merci beaucoup. Et je pense que si on n'a pas d'autres commentaires ou questions, nous allons commencer. Erin, levez la main. Erin, OK. Yeah, I just have one question and maybe Esther, you can translate it. So for the National Association in Senegal, is there a plan to begin to reconstitute and have a rollout for better access to morphine in Senegal? And is the Ministry of Health supporting that? Because I think we know globally, it is more affordable if we make the morphine ourselves than, I know they do that at one of the public facilities in Kenya. And I think the Hospice Africa Uganda also had a big, is there any talk of that at the National Association? Dr. Sophie, est-ce que vous l'avez compris? Elle parle de l'accès aux morphines. Est-ce qu'il y a un plan d'augmenter l'accès et aussi avec le sirop? Oui. Voilà, donc on est en train de travailler notre plaidoyer pour l'accès au sirop, la reconstitution de la poudre de morphine en sirop. Donc, j'en profite pour remercier vraiment les Miller et Hospice Africa France parce que l'année dernière, nous sommes partis en Ouganda pour vraiment suivre le circuit du sirop de morphine là-bas pour pouvoir nous en prendre exemple de ça pour pouvoir faire notre plaidoyer. Donc, l'association est en train de travailler dessus pour vraiment l'accès au sirop de morphine qui coûte le moins cher possible. Et aussi l'accès aux autres morphiniques, parce qu'en attendant d'avoir une augmentation de poudre de morphine, donc pour qu'au moins les patients puissent accéder aux autres morphiniques, surtout les comprimés. On est en train de travailler dessus, de faire le plaidoyer. Merci. Merci. Mathéo, vous avez une question? Non, on ne vous entend pas. Il faut activer le micro. Maintenant, vous m'entendez? Oui. OK. Et moi, j'ai une question par rapport aux prescriptions. Vous avez parlé des trois souches. Est-ce que tous les médecins au Sénégal peuvent prescrire de la morphine ou il faut s'enregistrer quelque part dans une... administration ou et aussi est-ce qu'il y a des infirmiers prescripteurs aussi au Sénégal? Alors oui, tous les médecins sont habilités à prescrire la morphine en utilisant le carnet à trois souches, même si tout le monde ne le fait pas parce que bon, des fois dans l'hôpital ils te disent il faut aller voir un tel, il faut aller voir un tel pour qu'il prescrive, alors qu'on a cette prérogative de prescrire le morphinique, mais bon, c'est des fois parce que tout simplement à cause des mythes là, donc dont on a parlé tantôt, qui font que certains ne veulent pas prescrire les morphiniques. Non, les paramédicaux ne sont pas habilités à prescrire pour le moment. Donc ça, je crois que aussi c'est un challenge, un plaidoyer à faire par la SOPA pour que les paramédics puissent arriver à prescrire les morphiniques pour soulager les patients au plus loin de la pyramide sanitaire. Merci. Sophie? Oui. C'est Omar. Bonsoir. Omar, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis très loin de chez vous. Mais bon, je voudrais quand même vous remercier. Alors, j'étais juste un petit mot par rapport à la prescription, par rapport à la question. La prescription des morphédiques par les médecins au niveau du Sénégal. Et effectivement, comme Sophie l'a expliqué, disposition dans tous les hôpitaux où il y a la morphine, on a mis des carnets à souches et à l'hôpital général Grand
ce que nous avons fait, c'est de donner la liste de tous les médecins potentiellement qui devraient prescrire en fonction de leur spécialité. En sachant que ces médecins-là, au préalable, nous avons fait ce qu'on appelle un renforcement de capacité pour les mettre à l'aise pour la prescription de la morphine. Parce qu'il y a une certaine morphinophobie au niveau de la communauté médicale, parce que voilà. Mais nous avons fait, ça permet aussi, parce que je voudrais aussi dire que les morphiniques sont gratuits pour les patients qui souffrent de cancer, entre autres, entre les maladies, ceux qui en ont besoin, c'est gratuit. Mais donc, nous avons répertorié les médecins qui prescrivent et on a mis à disposition les carnets. Et il suffit donc qu'ils prescrivent et les médecins pourront, la pharmacien ou le pharmacien pourra dispenser la prescription. Mais comme l'a dit Sophie, nous avons fait une étude il y a quelque temps de cela, une étude sur l'évaluation des soins de besoin en morphine, de soins palliatifs au Sénégal. Nous avons vu que beaucoup de praticiens ne prescrivaient pas les antalgiques de niveau 3, même si la douleur le demandait. Mais donc, ça fait partie justement des priorités de l'ASOPA, à savoir renforcer la capacité et mettre à l'aise les médecins pour qu'ils prescrivent la morphine. Et ça permet aussi de décentraliser la prise en charge pour la douleur des patients qui sont dans les hôpitaux régionaux ou bien qui sont dans les régions. Voilà un peu ce que je voulais rajouter par rapport à la question du collègue de Total. Merci beaucoup. Adji Benata, vous avez une question? Merci, Dr. Ba. Oui, bonsoir. Et merci, docteur, pour la qualité de la leçon. En tout cas, ça nous a beaucoup enrichi et aussi les échanges. Moi, ma préoccupation, c'était par rapport à la considération de la douleur. Dans ma pratique, j'ai surtout vu que c'est difficile pour les infirmiers ou parfois le personnel soignant de considérer ce que le malade dit par rapport à sa propre douleur. Donc, moi, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire ou bien qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça. Souvent, quand le malade dit qu'il a mal, on dit « oh, il fait semblant » ou bien « c'est juste parce qu'il veut tel médicament » ou bien « il est habitué à tel médicament ». On ne veut pas souvent accorder de l'importance à ce qu'il dit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Merci. Binta. Mm-hmm. Le patient a toujours raison. S'il te dit qu'il a mal, il a mal. Mais non, c'est à toi de voir. Il faut le soulager. Mm-hmm. De manière, un médicament, tu le soulages. Il faut le soulager. Il a toujours raison. Il n'y a que celui qui ressent la douleur qui peut te dire quel est le degré de sa douleur. S'il te dit, tu lui mets du paracétamol, il te dit qu'il a encore mal, cela veut dire qu'il a encore mal. Tu lui mets 5 mg de morphine, il te dit qu'il a encore mal, il faut considérer qu'il a encore mal. Maintenant, tu es en soins palliatifs. Même si tu n'es pas en soins palliatifs, il faut chercher les autres aspects de la douleur. L'aspect psychologique, l'aspect... Donc, les autres composantes de la douleur n'est pas seulement physique. Il faut prendre le temps de décortiquer tous ces aspects. Mais il faut d'abord mettre un analgésique et ensuite évaluer quelles sont les autres composantes de la douleur que tu n'as pas pris en compte. Des fois, il y a un problème familial qui est social qui est là. Il suffit juste que tu l'écoutes, que ton patient te raconte et puis tu verras. Il ne va plus réclamer un médicament. Donc vraiment, prenez le temps. Je n'ai pas voulu développer les différents aspects de la douleur, mais il y a plusieurs composantes. Elle n'est pas seulement physique. Elle est psychologique, elle est spirituelle. Donc tu connais mieux que moi les différentes composantes. Donc il faut tenir compte de ça. Les différentes composantes pour pouvoir prendre en charge de manière globale, la douleur globale. La douleur dans sa globalité.
Merci beaucoup. Bon, merci encore. Et je pense que nous allons aller au cas d'étude et nous allons voir que nous pouvons toujours discuter les mêmes choses avec, avec le cas d'étude. Donc, Dr. Cissé, si vous êtes prêt, vous êtes prête? Bonjour à tout le monde. Je vais essayer de lancer le cas. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, je pense que vous allez défiler de votre côté. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, on va voir avec le cas d'étude que Dr. Sophie a bien recensé tout ce qu'il y avait à voir avec l'utilisation de la morphine. Donc ici, on va présenter un monsieur de 35 ans qui est hospitalisé, qui a un cancer fossique de la tête et du cou. Vous allez voir l'image tout à l'heure. Et qui est, dont le traitement oncologique n'est pas disponible. Il s'est présenté à un stade très avancé de la maladie et son principal problème, c'est la douleur qui l'empêche de dormir. C'est bon. Vous pouvez défiler. La douleur est continue sur une grande partie du visage, c'est-à-dire au niveau du site de la plaie. Elle est cotée à 9 sur 10 en termes de sévérité. Dr. Sophie nous a parlé tout à l'heure de l'échelle. Il est à 9 sur 10, donc c'est une douleur qui est très sévère. La douleur est plus forte la nuit, ça l'empêche de dormir. Et au moment du changement de pansement aussi, elle est très forte. Un certain soulagement a été obtenu avec de la morphine à libération immédiate, 10 mg par voie orale, administré avant de changer les pansements et le score de la douleur a été réduit à 7 sur 10. Oui. C'est bon. Avec, en plus de la douleur, il y a d'autres symptômes comme la diminution de l'appétit, son humeur qui est maussade, un mauvais sommeil, une mauvaise odeur de la plaie, un saignement lors du changement de pansement et des démangeaisons aussi au niveau de la plaie. Oui? Sur le plan social et spirituel, le monsieur est marié. Il est père de 5 enfants. C'est lui qui s'occupe de sa famille, donc c'est un père aidant. Il a fait un long séjour en tant que patient hospitalisé. Il est musulman et sa foi est importante pour lui. Oui? Oui. Maintenant, je voudrais que vous reveniez en arrière pour voir un peu une image du monsieur, de la tumeur du monsieur. Est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Ok, je lui dis. Erin, on peut avoir l'image de la tumeur? Erin, she wants to see the picture. Do you have the picture? Yeah. You have the picture. L'image est un peu choquante, mais c'est bien de la voir pour savoir un peu le type de patient que vous aurez avec vous. Voilà. Donc, c'est une tumeur qui prend pratiquement tout son visage. Vous voyez un peu, c'est choquant. Voilà, vous pouvez défiler maintenant. Hey, Erin, you can go back now to where she was before. Okay.
Maintenant, on demande comment gérer la douleur de cet homme, quels médicaments et à quelle dose. Moi, j'ajouterai un peu, tout à l'heure, Dr Sophie a parlé de la douleur globale. Donc, ce n'est pas seulement une douleur physique, mais il y a la douleur psychosociale, la douleur aussi spirituelle, psychologique, sociale, tout cela est inclus. Par exemple, vous, quand on se met un peu à la place de cet homme, comment allons-nous gérer sa douleur? D'abord, la douleur physique. On écoute la classe, on est là pour apprendre. Levez la main ou activez votre micro. Oui, moi c'est Mathéo. Moi j'ai une question, est-ce qu'il a des problèmes pour avaler ou pour se communiquer même? Oui. Allô? Allô, oui. Donc, pour moi, s'il a des difficultés pour communiquer, je pense que pour pouvoir gérer sa douleur, d'abord, il faut qu'on trouve un moyen de, pour qu'il puisse évaluer avec lui la douleur. Et j'aime bien quand docteur vous parlez de l'aspect global de la douleur, comme docteur Sissé l'a dit. Et on va voir ce qui est plus urgent, ce qui est plus important pour lui d'être traité à ce moment. D'accord, oui. Binta, quelqu'un d'autre? La famille Tchoté? Oui, allô? Oui, oui. Allô, c'est Emilienne Tioté. Oui, on vous entend. Merci, docteur. Je disais dans l'étude de cas, vous avez dit qu'il n'y a pas de médicaments disponibles, de traitement disponible pour le patient. Traitement oncologique non disponible. Il n'y a pas de traitement pour son cancer. D'accord. Il est arrivé à avancer. Maintenant, d'accord. Là, qu'est-ce qu'on demande, c'est comment gérer sa douleur. Sa douleur, c'est-à-dire que le soulager. Voilà. Là, on a dit parmi d'autres aussi qu'il a une diminution de l'appétit. Donc, il arrive à manger, mais son appétit a diminué. On a parlé de son humeur. Ils ont dit qu'il a une humeur maussade. On a parlé de la qualité de son sommeil, mais aussi de l'odeur que dégage la plaie. C'est ça. Voilà. Bon, là, je pense que le monsieur a besoin de beaucoup de traitements sur le plan physique, moral et aussi spirituel. Oui. Oui, oui, certainement, oui. Oui, parce que, bon, La douleur, il faut le soulager. Il y a aussi, sur le plan psychologique, il faut l'encourager à pouvoir vraiment manger le peu, puisqu'il a une baisse d'appétit. Il faut vraiment l'amener, lui montrer l'importance de la nourriture pour lui, bon, avoir au moins une petite force, pouvoir supporter les médicaments. Bon, et puis, sur le plan spirituel, lui parler de sa foi, de sa persévérance, de, bon, je pense que on peut faire un tour de tout ça, quoi, pour pouvoir l'aider. D'accord, merci. Et pour la douleur physique, docteur Miller? Docteur oui, Miller? Je pense que le niveau de médicaments de la morphine, c'est trop en base. On doit augmenter le dosage par 25% régulièrement. Parce que le niveau, je pense, reste à 7. 7
9 sur 10, c'est... Oui, oui, c'est à 7 maintenant, oui. Oui, oui. Et peut-être qu'on peut ajouter un agent neuropathique. Il ne dort pas. Hein? Peut-être amitriptyline du soir, parce qu'il y a des problèmes avec pas dormir bien. Mais le niveau de le contrôle de la douleur physique, ce n'est pas bon à ce moment, je pense. D'accord. Docteur Sophie? Docteur Sophie? Merci. Aminata? Oui, oui. Même si le patient arrive à ce stade-là, donc la chirurgie palliative existe. Mm-hmm. La radiothérapie palliative existe aussi. Donc, moi, je prends l'exemple de cette dame qui a un cancer du sein Floride, comme ça, et dont l'odeur vraiment, est vraiment incommodante pour toute la famille. Bon, moi, quand ces patients-là viennent à l'hôpital, on leur fait une chirurgie palliative. Mm-hmm. Donc, voilà, même si c'est à un stade très, très avancé. Ne serait-ce que l'intégration sociale. Mm-hmm. Ça passe par ça aussi. Parce qu'en fait, les gens ont peur. Parce que déjà, rien que l'odeur, là, il va s'isoler. Donc, vraiment, et la souffrance psychologique va être très importante. Donc, je pense qu'il faut aller vers faire une chirurgie palliative. Mm-hmm. Ensuite, comme l'a dit le docteur Miller, vraiment associer d'autres médicaments pour pouvoir le soulager au maximum. D'accord. Donc, quoi, c'est, voilà, les neuroleptiques vont vraiment aider. Associer les neuroleptiques et les morphiniques, donc faire une association vraiment balancée pour permettre de le soulager au maximum. Mais je sais que la chirurgie palliative aussi, c'est surtout ça qui le hante le plus, le fait que, je ne sais pas quel est l'âge de ses enfants, mais bon, je suis sûre que, donc eux-mêmes, psychologiquement... Déjà, lui, il est jeune, il a 35 ans, donc il ne doit pas avoir de grands-enfants. Voilà, donc psychologiquement déjà, ses enfants, sa famille, sa femme, tout ça là, donc il leur faut un accompagnement, parce que là, ils auront peur d'aller vers lui, donc parce que cette masse floride là, donc, c'est pas tout le monde qui aura le cœur vraiment de... Oui. Je pense qu'il faut voir avec les chirurgiens ORL pour qu'ils puissent faire au moins une chirurgie palliative. D'accord. Après, c'est voir avec les radiothérapeutes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Je ne sais pas, mais je sais que la radiothérapie palliative aussi existe. Donc, il faut voir dans ce sens-là, ne pas seulement se cantonner au traitement médicamenteux. D'accord. Je suis parfaitement d'accord avec Dr Sophie, parce que déjà, rien que le fait de faire une chirurgie peut-être palliative peut améliorer déjà, par exemple, à l'isolement qu'il a actuellement. C'est sûr qu'il est isolé. Je pense que même avec le corps médical, ce sera difficile de l'approcher. Maintenant, là, c'est Esther qui va vous présenter un peu la gestion avec la morphine. Après, on revient. Donc, oui, ça dépend pour moi. Je vais parler de ce que nous pouvons faire si nous avons accès aux morphines. Donc, on commence avec la morphine immédiate, release immédiate, 10 mg chaque 4 heures, parce qu'on sait que la morphine dure dans le sang 4 heures, donc il faut faire aux 4 heures. Et aussi, il faut savoir qu'il faut ajouter entre les 4 heures si jamais la douleur est trop forte. Comme nous avons déjà dit, il ne faut jamais oublier de donner quelque chose pour les selles en même temps, parce que les selles seront, la patiente aura toujours un problème avec la constipation, donc il ne faut jamais oublier ça avec la morphine. Comme nous avons discuté, nous voulons diminuer la douleur et améliorer le sommeil.
Donc, pour moi, la question, c'est que si vous avez normalement, au Canada, on commence avec le morphine immédiat. Et nous allons compter combien il prend dans 24 heures. Et nous allons diviser en deux pour les deux doses d'action prolongée. Donc, moi, je n'ai jamais vu qu'on commence avec prolongé et après on fait. Donc, je ne sais pas au Sénégal ce que vous faites. Si, par exemple, la patiente qu'on voit là n'a pas accès, est-ce que vous pouvez... Alors, Esther, chez nous, on fait la même chose. Hein? On commence par l'immédiat et après, voilà, on cumule les doses et puis on le répartit pour le prolonger. C'est le même principe. Oui, c'est le même principe. Mais qu'est-ce qu'on fait en cas si on n'a pas de morphine pour ce patient? Qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place, docteur Sophie? Il n'a pas de morphine. Ce patient, c'est nécessaire qu'il ait de la morphine. Va à OGIP. OK. Va à OGIP. D'accord. Il est impératif qu'il soit sous morphinique, ce patient. D'accord. On va le comme ça. Okay. Si tu n'as pas dans la structure, il faut aller, voilà. Rapproche-toi. Mais c'est pas notre patient. C'est un cas qu'on a discuté. Je pense que ce n'est pas notre patient actuellement. Oui, je sais. Je dis, en fait. Dans un cadre général. Donc, on cherche dans d'autres structures la morphine. Docteur Sophie et Docteur Cissé, si par exemple nous sommes à Kédougou ou bien nous sommes à Touba ou bien nous sommes à Kaolack ou Catherine, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est ce que je dis en fait. Il faut que les médecins sachent 10 mg existe au niveau de la PNA et c'est la PNA qui donne les outils avec dans les pharmacies régionales d'approvisionnement. C'est disponible. Il faut que les gens commandent. Le problème, c'est que si le pharmacien régional ne commande pas, ce ne sera pas disponible. Donc, quand vous avez des malades chroniques, il faut vous rapprocher de... Maintenant, bon, peut-être c'est venir chercher à Dakar et après, pousser le pharmacien à mettre à votre disposition cette morphine. D'accord. Sinon, c'est la prescription en officine. Dans les officines, les pharmaciens d'officine, donc privés, ont des morphiniques. Ils vendent des morphiniques. On peut aller à la... You can go to the next slide, Erin. Donc, nous avons vu ce que nous pouvons faire si nous avons accès aux morphines. Comme le docteur Miller a dit, on augmente la morphine pour une douleur contrôlée. Et nous avons aussi parlé de comment nous pouvons remplacer la libération prolongée si on a ça. Et je pense qu'aussi, une autre chose qui est importante, c'est avant de faire le pansement, il faut vraiment donner quelque chose parce que je sais que des fois encore, nous sommes un peu pressés comme infirmières et il ne faut pas oublier de faire quelque chose avant. Il ne faut pas augmenter la douleur avec notre pansement, changement de pansement. To the next. OK, c'est Dr. Sophie maintenant. D'accord. Donc, comme l'a dit Dr. Sophie et Esther aussi, c'est la même façon de la prise en charge de la morphine, c'est pareil partout. Donc, on va essayer, comme elles l'ont dit, commencer par des doses 5 à 10 mg, reprendre toutes les 4 heures. Ensuite, on va, c'est-à-dire la morphine à libération immédiate. Ensuite, on va essayer de trouver la dose qui est sédative, c'est-à-dire la dose qui nous permet d'avoir une sédation de la douleur.
et répartir cette dose en prise, par exemple, de morphine à libération prolongée. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement la douleur physique qui va être traitée, mais aussi le patient avait d'autres problèmes. On a parlé de démangeaison au niveau de la zone de la tumeur. On a parlé de pour comme la gestion de cette douleur s'est améliorée par l'administration d'antihistaminiques, c'est-à-dire contre les prurites, les démangeaisons. Pour le sommeil, amélioré par le contrôle de la douleur. Déjà, rien que le fait de contrôler la douleur peut amener le patient à dormir. Et aussi, peut-être, les antihistaminiques. Pour l'humeur, on a amélioration avec le contrôle de la douleur aussi. Là, on voit que le contrôle de la douleur va régler beaucoup de problèmes. Et aussi, on soutient de sa santé mentale. C'est-à-dire, le soutien de sa santé mentale, ça peut se faire peut-être par certains médicaments, et aussi, mais aussi par l'approche. Docteur Sophie a parlé tout à l'heure de l'empathie, le fait de pouvoir discuter avec le patient, le fait de le soulager. Tout cela peut aider à améliorer sa santé mentale. Et on se rend compte parfois aussi avec l'idée qu'on a donnée tout à l'heure de la chirurgie palliative, le fait d'avoir une meilleure image de lui-même peut changer sa santé mentale. De même aussi que peut-être le fait de faire les pansements de façon régulière, de penser à certaines astuces pour enlever l'odeur. Par exemple, ici, on utilise de temps en temps le métronidazole qu'on écrase et qu'on met dans les plaies pour diminuer un peu l'odeur. Ça peut aussi aider à améliorer l'approche qu'ont les autres ou bien l'approche qu'il a lui-même de lui et peut-être aider au soutien toujours de la santé mentale. Ensuite, on a les saignements, l'application d'acide tranexamique sur de la gaze, on applique ça localement sur les zones de saignement. Oui, on peut défiler. Maintenant, les quelques questions clés, c'est comment choisir un médicament approprié contre la douleur. Ce sont ces questions qu'on a eu à se poser. Là, on a choisi pour une douleur qui était cotée à 9 sur 10. C'était la morphine qui est le choix idéal. On a élaboré un plan de gestion. Docteur Sophie l'a dit dans son cours, il faut évaluer. On a l'échelle et maintenant, le choix des médicaments, le choix des antalgiques dépend de cette cotation. On a utilisé la morphine. On a commencé par la morphine à libération immédiate jusqu'à ce qu'on trouve une dose de sédation. Ensuite, on est passé à la morphine à libération prolongée. Là, on a parlé de la dose initiale de morphine. Docteur Sophie l'a dit tout à l'heure, c'est 5 à 10 mg chez l'adulte. Et comment la titrer? Le titrage, ça veut dire tout ce qu'on a eu à faire, les doses qu'on a eu à rajouter pour avoir une phase de sédation. Quels sont les effets secondaires de la morphine? Donc c'est le cours de tout à l'heure. On a parlé de ce qu'on trouve le plus souvent, c'est la constipation, d'où l'utilisation parfois en plus de la morphine, du bisacodyl ou bien d'autres laxatifs pour aider un peu à ce qu'il n'y ait pas de constipation. Il y a aussi les nausées et vomissements. Docteur Sophie en a parlé tout à l'heure. Il faut utiliser ces différents médicaments pour contrecarrer les effets secondaires de la morphine et aussi mais aussi les prévenir et mieux les gérer. Parce qu'il peut arriver qu'un patient évite de prendre certains médicaments à cause des éventuels effets secondaires. Donc, pour pallier à tout ça, en plus de la morphine, il faut donner en même temps un laxatif, il faut donner en même temps quelque chose pour les nausées, les vomissements, etc. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions ou bien des quelque chose que vous pouvez apporter. Docteur Cissé, j'ai toujours une question pour Docteur Sophie, parce que oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Donc, vous avez dit que les ampoules de 10 mg de morphine sont plutôt disponibles partout au Sénégal. Et est-ce que j'ai compris que nous pouvons... on peut ouvrir les ampoules et ajouter un peu de sucre?
si par exemple on est dans un contexte où nous n'avons pas accès aux perfusions. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Oui, c'est exactement ça. Donc, la morphine injectable, les ampoules de 10 mg existent au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Oui. Voilà. Donc, ce sont les hôpitaux qui les commandent. En général, c'est surtout par rapport aux hôpitaux les hôpitaux régionaux, donc qui ont des blocs opératoires. Oui. Donc, parce que ça fait partie de l'arsenal thérapeutique qu'on utilise pour l'analgésie post-opératoire. Mais au-delà de l'analgésie post-opératoire, si dans une structure on a besoin, moi, il m'arrive que mon gynécologue m'interpelle. On a une patiente en soins palliatifs, donc voilà. Et je lui dis, s'il n'y a pas de comprimé de morphine, je lui donne une ampoule de morphine que je lui demande de mettre dans un morceau de sucre et de donner à la patiente. Et ça la soulage. C'est une astuce de. Voilà. D'accord. Et je sais qu'au niveau de toutes les régions, il y a une pharmacie régionale qui s'approvisionne au niveau de la PNA. D'accord. Donc, il faut que les gens comprennent que c'est possible, en fait. D'accord. Il faut que les gens prescrivent et qu'ils disent à leur pharmacien régional, quand on est à Kaffrine ou à Kédougou, que leur pharmacien régional commande les ampoules de morphine. D'accord. Excusez-moi, c'est par voix orale, il va prendre, la personne va prendre. Sophie. Allô, Sophie? Oui. Bon. Oui, je voulais rajouter, effectivement, non seulement il y a les ampoules de 10, mais il y a aussi les ampoules de 20 mg. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, il faut savoir que l'utilisation, la commande des morphiniques est faite très, très tôt. C'est-à-dire que les pharmaciens ou les médecins qui sont dans les régions, s'ils veulent accéder à la morphine, il faut, en rapport avec le pharmacien de l'hôpital, anticiper la commande, parce que la commande, ça se fait au mois de mars. La commande de 2024, ça se fait au plus tard au mois de mars 2023. Donc, si vous n'anticipez pas votre commande, il vous sera très difficile de pouvoir bénéficier de la dispensation à partir de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Merci. Merci beaucoup. Esther, c'est bon? Esther, tu as bien compris. Oui, je pense que j'ai compris. Donc, si nous voulons donner 10 mg, ou bien, je pense dans la tête, si on peut commencer avec 5 mg, peut-être on peut mélanger l'ampoule dans une cuillère de yaourt et on va diviser le yaourt en deux. Donc, on sait que dans chaque moitié, on a 5 mg. Non, en fait, on peut prendre l'ampoule dans une seringue de, si on veut 5 mg, on ramène l'ampoule à 4 cc dans une seringue et on met 1 cc dans le morceau de sucre. Voilà, vous voyez un peu. On aspire l'ampoule et après, si on veut les 5 mg, on aspire l'ampoule, on met les 2 cc dans le morceau de sucre, ça fait 5 mg. Le reste, on garde. C'est des moyens du bord, donc bon. Oui, oui, et c'est très bien de savoir. C'est ce qu'il faut utiliser, quoi. Oui. Sinon, on le met dans le yaourt ou bien on le met dans du thé, bon, ce que le patient veut boire, quoi. D'accord, merci beaucoup. C'est très bien de savoir.